Bonjour, je suis Christelle, kinésithérapeute et formatrice chez Indiba. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous parler de la physio-esthétique avec Indiba Active. Vous êtes kinésithérapeute, mais vous pouvez apporter une solution esthétique à vos patients dans beaucoup de domaines grâce à cette technologie intéressante. Qu'est-ce qu'Indiba ? Indiba est une technologie de radiofréquence brevetée, thérapeutique, mais qui va nous permettre d'agir au niveau tissulaire. Le courant qui va passer à l'intérieur de votre corps va permettre une augmentation des échanges cellulaires, une meilleure vascularisation, une meilleure nutrition de vos tissus qui va nous intéresser dans le domaine esthétique. Parce qu'avec Indiba, la santé et l'esthétique ne font qu'un. Nous allons prendre soin de l'intérieur de votre corps pour que ça se voit à l'extérieur. Pour travailler, nous aurons besoin de deux phases, capacitive et résistive. Clarisse, est-ce que tu peux me prêter le cobaye, s'il te plaît? Donc, en travaillant, nous allons avoir d'abord une plaque neutre de retour que nous allons placer sous notre patient. Cette plaque va nous permettre d'assurer un échange continu entre l'électrode neutre qui est ici et l'électrode active qui sera dans ma main. L'électrode active sera soit capacitive, soit résistive en fonction de nos besoins. L'électrode capacitive est recouverte d'un isolant qui va créer une résistance et condenser le courant sous l'électrode. Cette électrode va agir sur 3-4 cm de manière locale, superficielle, là où nous nous trouvons. Elle va nous permettre de préparer les tissus, de commencer à travailler ces échanges dont nous aurons besoin dans notre traitement final. Dans la deuxième phase, nous allons travailler avec une électrode résistive qui est en inox, qui va permettre un trajet sur des champs plus longs, plus en profondeur, qui va nous permettre un travail remodelant plus important et de travailler sur la circulation de retour aussi de manière très très importante. Les effets d'Indiba vont être multiples. On va avoir une stimulation du collagène et de l'élastine par cette nutrition des tissus, par cette réoxygénation. On va avoir une réorganisation tissulaire qui peut se faire au niveau de ces fibres qui sont les constituants principaux du tissu conjonctif. On va avoir un effet régénérant sur la peau qui va nous donner un tonus plus important, une peau plus ferme, plus régulière, plus fine, une oxygénation et une amélioration de la circulation qui va de l'intérieur faire en sorte que tout fonctionne mieux. Une lipolyse avec une action sur les adipocytes, une augmentation de leurs échanges. Ils vont trouver leur rôle naturel, ils vont reprendre leur métabolisme de base et pouvoir nous permettre de mieux éliminer tout ce qui nous dérange. Au niveau du drainage lymphatique, par rapport à la technique manuelle, avec Indiba, l'intervention du courant en profondeur va permettre de travailler les échanges à l'intérieur pendant que vous travaillez avec vos mains. Ça va relancer le retour veineux, ça va permettre à la rétention d'eau de s'estomper et à vos patients de retrouver des cuisses légères, des jambes légères, raffermies, plus chouettes, plus denses et de se mettre en maillot de bain pour l'été. Au niveau des applications, il y a deux types d'applications possibles. Au niveau du visage, on va surtout considérer la qualité de la peau. Vous savez qu'avec le temps, la peau perd en fermeté, va se relâcher, tout d'abord dû à des facteurs externes comme votre alimentation, votre hydratation, est-ce que vous fumez, est-ce que vous buvez de l'alcool, est-ce que vous vous exposez trop au soleil. Il y a aussi malheureusement la pollution qui intervient. Donc tout ça va nous relâcher, nous affaiblir notre derme. Et ensuite, les facteurs internes qui agiront plus au niveau du corps, qui sont la grossesse, la ménopause avec leurs variations hormonales, avec les variations de poids, qu'elles soient en perte de poids importante ou en prise de poids importante, la sédentarité, le manque d'activité, tout ça va agir sur votre qualité de peau. Donc au niveau du visage, un effet lifting, un effet retonifiant de ces tissus flasques sur l'ovale du visage. Un travail sur toutes les rides au niveau du contour des yeux, la patte d'oie, la ride du lion, tous les sillons du visage. Et le résultat sera vraiment au niveau cutané. Vous allez avoir une peau qui est plus fraîche, plus rosée, qui circule mieux, qui respire. Au niveau du corps, nous allons bien sûr attaquer la cellulite. La cellulite, qu'elle soit aqueuse, œdémateuse ou fibreuse, nous allons pouvoir, par l'intervention de notre type de traitement et de la manière dont on va
attaquer cette cellulite, avoir un résultat intéressant. Nous allons raffermir les tissus, les redensifier grâce à la stimulation du collagène et de l'élastine. Les adipositées vont être régulées, moins d'irrégularités de surface. On va travailler les fibroses au niveau des adipocytes qui sont bien agglomérés au niveau des culottes de cheval et avoir l'action drainante et sur la rétention d'eau. Tout le travail des cicatrices, que ce soit de la chirurgie traumatique ou que ce soit de la chirurgie esthétique, nous allons pouvoir agir pour accélérer la guérison, diminuer les adhérences, favoriser tout ce travail tissulaire pour que notre patient se sente mieux et moins de douleur. On peut agir dès le lendemain pour lui rendre une vie plus douce et plus facile. Au niveau des contre-indications, il n'y en a pas tellement. Le pacemaker, la grossesse, les infections, parce que ce n'est pas idéal de travailler là-dessus. Les plaies ouvertes, parce que ce n'est pas accessible. La thrombophlébite, la perte de sensibilité à la chaleur, parce que pour ces traitements, nous allons devoir quand même stimuler les tissus et il vaut mieux que notre patient soit réceptif à cette chaleur. Par contre, très important, aucune contre-indication sur les prothèses, sur le matériel esthétique et ni sur les prothèses de mammaire ou autres. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi cette vidéo, que vous allez nous suivre sur YouTube et les vidéos Indiba Active pour en apprendre plus sur le plancher pelvien, le fascia, la thérapeutique, le sport. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre et je vous dis à bientôt. Au revoir.